attention. Bonjour, je suis Charles Ledigue, président de l'association de sauvegarde des casemates du Berluche. Donc moi je m'appelle Kevin Aubin, j'ai 29 ans, donc je travaille dans l'insertion professionnelle, voilà, je suis chargé de mission dans une asso qui aide les jeunes à trouver un emploi à leur niveau. Et j'ai été embarqué dans cette aventure des casemates du Berluche par Laetitia Antoine qui est la trésorière de l'association. Bonjour, donc je m'appelle Laetitia. J'ai rejoint l'association il y a déjà quelques années et j'ai la chance maintenant de faire partie du comité, d'être trésorière. Bonjour, alors je me présente, Guillaume Brosse. Je suis comédien et puis aussi ingénieur de recherche dans le civil. Voilà, j'ai rejoint le projet via le réalisateur, Jonathan Boucher. Bonjour, voilà. Je suis Jonathan. Je suis filmmaker, j'ai connu les casemates du Berluche il y a plus ou moins 2 ans. On m'a demandé de venir faire une petite vidéo sur une reconstitution qui avait lieu l'été. On a fait des très belles images et on m'a parlé d'un projet de visite virtuelle. Donc je me suis proposé de mener le projet. Bon, moi je me présente, c'est Antoine, bon, j'ai 16 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis membre au casemate du Berluche. Alors je suis Ago Guémarc, retraité de la gendarmerie, passionné de photo et retraité depuis une douzaine d'années. Donc j'ai adhéré à l'association par le goût de l'histoire. La dynamique qui émane de cette association. Bonjour, je me présente, moi je m'appelle Louis Fousse. Donc je suis lycéen, en lycée agricole à Courcelles aussi, en bac STAV. Donc moi ça fait à peu près un an que je suis dans la sauce des casemates du Berluche. Et en fait j'ai rejoint la sauce parce que ça me tient à cœur de partager cette histoire, donc l'histoire qu'ont vécu nos anciens. Depuis 2021, on travaille sur un nouveau projet qui est celui d'une visite dite virtuelle ou plutôt immersive qui s'appellera Berluche Experience. À tout moment, vous pourrez vous rendre sur le site du Berluche, ici même, et simplement en scannant un QR code, vous saurez tout ou presque sur les secrets de ce site historique. A commencer par l'évacuation des Mosellans en septembre 1939, la mobilisation, la drôle de guerre, avec cette attente aussi interminable qu'éprouvante, les combats de juin 1940, et enfin cette tragédie, la reddition et la défaite de notre armée. Pour vous aider à mieux découvrir l'histoire de notre pays, de notre région, votre histoire, l'histoire de la France et de l'Europe, l'histoire de vos grands-parents. Nous développons une approche nouvelle, mêlée de vidéos immersives, d'images de synthèse, de fiches descriptives et de photos d'époque. C'est une grande chance pour nous de travailler et de développer ce projet pour le présenter, nous l'espérons, à un large public. Et si un visiteur arrive avec presque une indifférence, je pense que notre projet aura abouti si ce visiteur repart avec des interrogations et poursuit ses recherches pour comprendre et pour avoir une vue un peu plus importante sur ces événements de 1939-1940.